Et car une nouvelle ère commence, Renaud nous l'avait bien chanté, depuis elle voit pas mieux la France. On a même eu droit à Le Pen, c'est dire le nombre de tordus. Allez, vas-y, provoque la haine, un jour elle te retombera dessus. Ça gèle toujours en février, on dirait que ça les étonne. À part Coluche qui avait bougé, les autres y a longtemps qui plafonnent. Je suggérerais à nos élus goûter à la réalité. Passer une nuit dans les rues, ça les ferait sûrement gamberger. Et quand se pointe le mois de mars, on compte les gens qui sont classés, entend annoncer par une garce des chiffres carrément faussés. Mais maintenant personne s'indigne, tous se scotchés devant leur télé, avec le produit de la vigne à la place de la langue de chevet. Qu'on ne me parle plus de la France comme du pays des libertés. Car du Nord jusqu'en Provence, c'est chaque Français qui se fait baiser. On leur a dit que le mois d'avril serait le mois de la gaieté. J'ai pas dit qu'ils étaient débiles, bien que l'idée m'ait traversé. Vive la télé-réalité, c'est presque 30 millions d'amis qui ensemble vont se retrouver devant la Star Academy. Heureusement, il y a eu le mois de mai, car donner une lueur d'espoir en chassant le petit enculé qui avait plongé la France dans le noir. Depuis François est arrivé, avec de moins mauvaises idées, on avait tous le droit de rêver que l'hexagone allait respirer. On avait le droit. Car déjà dès le mois de juin, il y a un problème et pas mineur, qui s'appelle Vassili Crétin, mais ministre de l'Intérieur. Et pourquoi il a expulsé des gens qui étaient à l'extérieur, leur a même jamais proposé de leur trouver un intérieur. On ne me parle plus de la France comme du pays des libertés. Car du Nord jusqu'en Provence, c'est chaque Français qui se fait baiser. Et déjà dès le mois de septembre, gros problème au gouvernement, ça va se finir à coups de pioche au sein même du Parlement. François est atteint d'amnésie, et ça c'est vraiment plutôt moche. Il a oublié ses amis, ceux qui sont réellement de gauche. Et pour ce qui est de juillet, la tête est devenue très méchante au ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement. Assassin, je crois, c'est le mot qui correspond, qui va le mieux pour cette bande de salauds qui ont laissé mourir nos vieux. Le mois d'août n'est plus ce qu'il était, au camping, il y a gel bonbonne. Ça serait peut-être le moment de penser qu'au-dessus de vos têtes, il y a de l'ozone. Et faire comprendre à nos amis que la pollution, c'est aussi eux. J'ai essayé, ma foi, tant pis, j'en ai convaincu qu'un ou deux. On ne me parle plus de la France du pays des libertés. Car du Nord jusqu'en Provence, c'est chaque Français qui se fait baiser. Et déjà dès le mois d'octobre, gros problème au gouvernement, ça va se finir à coups de pioche au sein même du Parlement. François est atteint d'amnésie, et ça c'est vraiment plutôt moche. Il a oublié ses amis, ceux qui sont réellement de gauche. Et voilà qu'au mois de novembre, on parle de légalisation. Mais qui c'est qui va nous le vendre? Certainement pas le Perpillon. Mais avec un nom comme Hollande, on devrait pouvoir s'arranger et construire un cannabis land juste à côté de celui de Mickey. Et pour ce qui est de décembre, le Père Noël va-t-il se pointer, à moins qu'il soit allé se pendre devant la misère des Français? Et n'ayez pas trop le cafard, on va finir par être sauvé par nos émirs du Qatar qu'on réussit pour le PSG. On ne me parle plus de la France comme du pays des libertés. Car du Nord jusqu'en Provence, c'est chaque Français qui se fait baiser. Merci.